quoi. Pendu. Ouais, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo un peu inattendue. J'avais pas prévu, d'habitude on sort pas 3 vidéos par semaine, mais cette semaine on va sortir 3 vidéos, donc j'en mets une aujourd'hui. On va voir ce qu'il y a dans la Fisher Box, dans la The Fisher Box du mois de décembre, dans la catégorie light, ultra light. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette Fisher Box? Je vous rappelle que si vous voulez commander votre Fisher Box, donc pour la recevoir chaque mois chez vous, vous avez un code promo qui sera dans la description, qui vous permettra de faire une petite économie. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer. Je préviens tout de suite, ce mois-ci, il y a des bons petits trucs. Voilà, voilà. Tout ce qu'il y a. Alors, on va commencer par Sailor Souple. Moi, je les ai déjà ouverts, hein, j'ai pas résisté. Donc des leurres souples Yoda qui sont super, c'est des leurres qui marchent très très bien, que je connais un petit peu déjà, pour les avoir testés avec d'autres personnes, etc. J'en avais pas, donc ça c'est des leurres que je vais beaucoup utiliser sur moi pour pêcher sur le canal, l'hiver, etc. Ou même toute saison, des leurres c'est vraiment un type de leurre que j'utiliserai beaucoup pour pêcher la perche, le cendre, le petit cendre, le petit brochet. C'est des leurres qui marchent très très bien, surtout sur les perches. Au niveau de cette taille et tout, moi c'est ce que j'utiliserai parfaitement pour pêcher sur le canal, du midi. Ensuite, pour rester dans la même lignée, des têtes plombées 3 grammes. Les têtes plombées 3 grammes, c'est exactement ce que j'utilise moi pour pêcher sur le canal du midi, avec en tout cas cette taille d'hameçon. Je pêche 3-4 grammes tout le temps. Donc c'est des têtes plombées qui vont vraiment beaucoup me servir. Donc pour toutes les zones pour pêcher, entre 1 mètre et 2 mètres 50, c'est 3 grammes quand il n'y a pas de vent, quand vous avez une bonne canne assez sensible avec une tresse assez fine, c'est super. 3 grammes pour pas trop s'accrocher au fond, pour que les leurres planent bien, et en plus ils vont aller parfaitement sur ces leurres là. On trouve également des petites agrafes, que moi j'utiliserai pas forcément pour du carnassier, parce que sur le carnassier, quand je pêche le canal, je ne mets pas d'agrafe parce que je m'accroche tellement souvent que je perdrai des agrafes trop souvent, et que je ne change jamais de tête plombée quasiment, je change juste le leurre dessus. Donc je n'utilise pas d'agrafe, mais pour la truite, ça m'arrive d'utiliser des agrafes, et ces agrafes ont la taille parfaite par exemple, ou pour petit carnassier quand je pêche en lac de barrage, elles ont la taille parfaite également. On retrouve aussi un petit méga bass, un petit leurre méga bass. Je l'utiliserai pour la truite évidemment, vu que je pêche beaucoup la truite, bon, quand ça réouvrira. Mais c'est un super petit leurre flottant que j'utiliserai à cette saison, mais il marche également très très bien pour pêcher la perche, du black bass, ce que vous voulez. Ça marchera très très bien. On retrouve également un kit drop shot. Donc dans ce kit, vous avez le bas de ligne avec un hameçon simple. Vous avez deux petits leurres et deux plombs de grammage différents. Donc pour pêcher même du bord, hein, le drop shot, c'est une technique qui marche très très bien. Du bord ou en vertical, ça marche tout à fait. Bon, pour rechercher perche, cendre, brochet, il y a tout qui peut taper, black bass. On peut vraiment tout rechercher en drop shot. Ça marche très très bien. Voilà. Donc on a fait le tour de ce qu'il y avait dans la Fisher Box du mois de décembre. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Vous retrouverez probablement dans les semaines qui suivent des poissons avec ce qu'il y a dedans. Hein, c'est les têtes plombées, c'est sûr que vous allez trouver du poisson avec. Les leurres, il y a de fortes chances. Les drop shots, peut-être en lac de barrage. Lui, il attendra la truite et les agrafes aussi. Mais en tout cas, la plupart de cette box, vous pouvez nous voir des photos sur Facebook. Passer avec ces leurres de cette box. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas. Le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.